Bonjour à tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle manga review. Aujourd'hui, un peu d'action. Je vous parle du tome 6 de Kenganashura, publié et chez Meian Edition. Un tome 6 qui débute enfin le tournoi Kengan. Donc, prenant la plus grosse partie de l'œuvre, j'imagine, il y a comme beaucoup trop de combats. D'après le tableau, je pense qu'on a 16-18 combats, quelque chose de même. À faire. Il y a 32 participants, fait que 16 combats. Ça va être intense, j'ai hâte, si on les voit tous. Ça, c'est ce qui m'intrigue le plus. Donc, on récupère ici avec qui va affronter qui. Le début du tome est lent. C'est de la mise en place entre tout le monde. Pour ensuite avoir le premier combat entre McDo, qui n'est pas McDo, et le gars qui fait du jiu-jitsu. Donc, en gros, il va affronter Adam Dudley, qui est juste un gros tas de muscles, bien fort, et tout. Le combat est vachement stylé. Sincèrement, j'ai vraiment eu du plaisir à le lire. Tu sais pas trop où ça s'en va, tu sais pas qui va gagner, parce que justement, tu connais un peu chaque protagoniste. Il y a des mini-flashbacks avec chacun pour justement comme rajouter de l'emphase sur qui ils sont. Et pourquoi ils font ça? Donc, c'est très bien pensé de la part des auteurs. Ça rajoute un petit peu aux enjeux. Puis c'est le fun parce que ça te fait « Ah, j'ai un flashback sur lui, j'ai un flashback sur lui. Qui va gagner? » Donc, je dirais pas les issues de match tout le temps, justement, exprès. Et on commence même le deuxième match dans ce tome-ci avec Haru, qui est comme un super athlète ultra mince, qui est rendu pour Nintendo, fait que... Il est rendu gros parce qu'il joue trois des jeux vidéo. J'adorais son design d'avant. Son design de maintenant, c'est... Puis il va affronter un policier. C'est une mise en place du combat qu'on a dans ce tome-ci. Du deuxième combat. Parce que les auteurs préfèrent nous mettre un flashback sur Oma à la fin. Sur sa jeunesse et tout. Je suis comme... Hein? OK. Tu sais, ça... Ça m'a comme un petit peu déçu. Parce que je voulais plus de ce qu'on avait. Mais ça me donne ultra envie de lire le tome 7 rapidement. Donc, c'est très bien. Et pour ce qu'il y a dans ce tome-ci, c'est quand même un solide 7 sur 10. Donc, t'es mon grand fan qui vous dit... À plus. Bye!